Bonjour Constance. Bonjour à tous et bonjour même aux autres. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler ces dernières semaines d'une petite pandémie mondiale qui aurait engendré quelques légères modifications au niveau de la vie globale des personnes. Suite à cette discrète épidémie, eh bien, pour les gens qui, par exemple, au hasard comme moi, exercent un travail en rapport avec le spectacle vivant, eh bien, ça pue clairement du cul. Car je suis passée d'un rythme de travail de pute à un rythme de travail de personne décédée. Mais je ne suis pas du genre à rester dans un coin pour crever. Non, je ne suis pas un pneu. Alors, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Comme je suis une femme, je suis fourbe. Alors, j'ai décidé de tout simplement voler le travail de Guillaume Meurice. Parce que moi aussi, je peux interroger des sacrés trous du cul dans ma rue. Vous n'avez pas l'exclusivité des trous du cul dans vos rues, Guillaume Meurice. Non, non. Nous aussi, à la campagne, on a des trottoirs. Je peux aussi micro-trotter des personnes pour leur faire dire le fond sale de leurs pensées. Moi aussi, je peux faire ça. Mais ouais. Ah tiens, j'aperçois une personne. Bonjour madame, c'est France Inter. Et qu'est-ce que vous pensez de cette épidémie? Oui, vous êtes contre. Vous êtes contre. Et vous avez toujours été comme ça, contre les choses? Et quand vous parlez de théorie du complot comme ça, vous n'avez pas peur des conséquences? Oh, ça n'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux, madame. Eh bien, puisqu'on en est au nom d'oiseau, moi aussi je t'emmerde, connasse. Oh. Mais vous avez pas honte de dire des horreurs pareilles? Vous êtes des animaux ou quoi? Qu'est-ce que vous faites de la notion de solidarité et d'altruisme? Et qu'est-ce que l'islam vient foutre là-dedans? Non mais c'est dingue. Oh, c'en est assez. J'ai entendu assez d'âneries pour la journée. Je rends mon tablier. Vous m'entendez, Guillaume Meurice? J'arrête ce travail. Ça me rend chèvre. Vous pensiez que j'allais mettre un bruitage de chèvre alors qu'en fait c'était un bruitage de coq? Parce que je suis une sacrée farceuse. Bon allez, je vous laisse les copains. En attendant de reprendre une activité professionnelle, je suis en train d'écrire un roman sur un type très méchant qui envoie des lettres anonymes avec des nouilles en forme de lettres à des personnes allergiques au gluten. C'était Constance à la ferme.